saucissonner les, euh, la recherche, c'est-à-dire qu'il y a le spécialiste de ceci, de cela, etc., etc. Et malheureusement, il n'y a pas toujours une bonne, euh, un, un bon transfert d'infos. Donc c'est le même principe pour le climat, c'est-à-dire qu'il y a une, une ignorance, euh, il y a une spécialité, mais qui ignore le reste. Et là, on a un gros problème. C'est vrai que l'ignorance fait partie des des gros problèmes euh, qui nous ont entraînés dans la situation où on est actuellement. Mais cette ignorance, elle est en même temps euh, ponctuée, elle est elle est euh, elle est à l'origine de la désinformation. C'est-à-dire que on, on se laisse désinformer par ignorance. On a figé un, un monde, le monde du vivant, on l'a figé et on l'a réduit à tout ce qui est visible, tout ce qui est d'ordre visible, alors que on ne voit que même pas 0,5% de la réalité, et que cette réalité existe parce qu'il y a plus de 99,5% du non visible qui permet au visible d'apparaître. Et cette ignorance, malheureusement, euh, elle a été comblée par des informations que j'appelle mauvaises informations, donc qui sont les bases des, de la catastrophe, aussi bien dans le domaine euh, de la santé que le domaine de l'environnement, que le domaine de l'agriculture, etc., etc. Les deux grandes urgences, on va dire, c'est le monde de la santé et le monde de la, du climat, c'est-à-dire la, la problématique euh, du chaos climatique dans lequel on se trouve et qui, qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous fait croire, en l'occurrence par le, les pseudo-scientistes euh, euh, qui se cachent derrière une, euh, un, un sigle qu'on appelle le GIEC, et qui n'a pas obligatoirement vocation de régler le problème. Il a plutôt vocation depuis, euh, depuis une vingtaine d'années à faire des pronostics qui s'avèrent complètement faux d'ailleurs à chaque fois. Et depuis le protocole de Kyoto, euh, l'idée du GIEC a été de supprimer... La présence de la vapeur d'eau dans l'air, comme ça ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent dans l'interprétation des, des analyses qu'ils font. Or, euh, dans, les, dans les gros problèmes majeurs de, de notre société actuelle, c'est une mauvaise interprétation de la vraie composition de l'atmosphère terrestre. C'est ça, le, pour moi, qui est majeur. Et cette cet impact que ça va générer aussi bien sur la santé que sur les grandes décisions qui sont prises par rapport aux orientations de gestion du climat sont dramatiques. Et on peut constater que depuis justement le protocole de Kyoto, tous les pronostics qui avaient été faits s'avèrent bien en dessous de la réalité, tout simplement parce que le carbone n'a rien à voir là-dedans, et donc quand on agit uniquement... Sur un, un élément qui n'est pas du tout prépondérant par rapport au climat, eh bien, on, on fait fausse route et on oublie l'essentiel de l'origine du chaos climatique. Ce chaos est lié vraiment à un mode de vie industriel euh, particulièrement actif en ce moment. Ce sont les ondes radio, les ondes de télécommunication, qui agissent sur la vapeur d'eau de l'air et qui sont à l'origine de l'augmentation. De euh, la température globale de la planète. Il faut savoir qu'il n'y a euh, quasiment pas de CO2 dans l'air, il y a 0,035 en moyenne, mais ça peut euh, aller plus, hein, c'est euh, pas figé. Et quand on nous parle de 400 ppm, c'est en fait 400 particules par million, et donc c'est 0,04%. Donc ce n'est pas du tout ça qui est à l'origine d'une problématique du climat. C'est une conséquence éventuelle, mais dérisoire par rapport à la réalité. Le problème du climat est lié à un mode de vie, donc destruction de la biodiversité par l'industrialisation, que ce soit au niveau agricole, élevage, les pêches, euh, déforestation, tout ça. Ça, ça fait partie de, euh, du déséquilibre d'un système hein, qui, qui est vieux, qui est très, très ancien, qui s'est mis en place d'ailleurs bien souvent. On n'a peut-être pas tout à fait la réalité hein, de ce qui s'est passé, mais toujours est-il que cet ensemble euh, des différents règnes, hein, minéral, végétal, animal, avait trouvé un équilibre et que subitement on va euh, engendrer un processus de destruction de l'environnement et la, les ondes électromagnétiques artificielles vont amplifier le phénomène naturel. Du maintien de l'effet de, de serre sur Terre, qui est, qui est grâce à la vapeur d'eau. Hein, la, la vapeur d'eau est à l'origine de 99,41% de l'effet de serre sur Terre. Et heureusement, sinon, on serait gelé. Gelé, pourquoi Parce que le soleil n'est pas chaud. Hein, pas, il faut regarder il y a plein de scientifiques qui le disent. Et surtout le fait qu'au-delà de la ionosphère, il y a le zéro absolu, ce qu'on appelle, hein, c'est moins 273 degrés. Donc entre la ionosphère et la lithosphère, lithosphère étant la, au niveau de la croûte terrestre, on, est, on passe de 200, moins 273 degrés à une moyenne globale de 14 à 15 degrés sur la planète. Donc entre les deux, il y a des processus d'adaptation, très bien décrits par Victor Schauberger, hein, où l'atmosphère est composée de strates, hein, de couches différentes couches d'air séparées chacune par une densification de la vapeur d'eau en pellicule d'eau à 4 degrés. Donc c'est un immense condensateur qui fonctionne grâce aux ondes électromagnétiques solaires et qui va progressivement synthétiser des informations naturelles, on va dire par le biais de photons etc et qui vont amener de l'information vivante sur Terre. Or, nous, on a inventé des ondes radio-artificielles qui viennent amplifier l'agitation le, le, des molécules de vapeur d'eau et qui sont à l'origine de, ce, de cette explosion de, de chaos climatique qui, qui génère des, des excès d'infos dans, dans un endroit, des manques dans un autre. Donc, ça crée ces fameux tornades, etc. etc. Donc, c'est essentiellement, effectivement, un mode de vie industriel nouveau basé sur les les ondes radio artificielles. On a saucissonné les, la recherche, c'est-à-dire qu'il y a le spécialiste de ceci, de cela, etc. etc. Et malheureusement, il n'y a pas toujours une bonne, euh, un, un bon transfert d'infos. Donc c'est le même principe pour le climat. C'est-à-dire qu'il y a une, une ignorance, euh, il y a une spécialité, mais qui ignore le reste. Et là, on a un gros problème. Il y a, des, il y a notamment le René Giraudon, qui est, qui est un, un climatologue compétent et qui tient la route. Et c'est lui qui explique, hein, avec, de manière scientifique crédible, que, on, on, que la vapeur d'eau est à l'origine de 99,41% de l'effet de serre. Donc, Qu'est-ce que c'est ces histoires où on nous fait croire que le CO2 est à l'origine du, du, du chaos climatique Ça n'a rien à voir. Le CO2, s'il y a une légère augmentation du pourcentage de CO2 dans l'atmosphère, il est lié justement au chaos qu'on a engendré dans la nature avec la déforestation, la biodiversité qui est détruite, etc. etc. Les élevages industriels, c'est n'importe quoi. Et donc effectivement, il y a une problématique au niveau de, de, de concrètement sur atteinte à l'environnement par rapport au mode de vie, mais il y a surtout la, la, la densité d'ondes impressionnante qui augmente à, à chaque seconde quelque part. C'est devenu, c'est l'outil qui va permettre, soi-disant, de nous sortir tous connectés, vous voyez, on fait la vidéoconférence, on travaille, c'est, voilà. Et là, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade limite. Je ne sais pas sincèrement comment l'atmosphère terrestre va pouvoir continuer à se charger d'ondes artificielles. On ne sait pas. On ne connaît pas le, la capacité. Est-ce que ça peut générer une, une innome, un énorme flash hein, qui va bloquer tout ça Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il euh, y en a qui le savent. Donc si on veut comprendre les, les égarements ou les... Les orientations qui ont été prises après la Révolution française, où on a, entre guillemets, inventé la chimie moderne, hein, suite euh, à une expérience, entre autres, de Lavoisier. Lavoisier, ce n'était pas, pas vraiment un scientifique euh, biologiste. Ou, euh, il était essentiellement chimiste. Or, la chimie de la vie, c'est obligatoirement la biologie. À l'époque, il y avait... Euh, il y avait Joseph Priestley qui avait une vision de la vie complètement différente que celle de celle de Lavoisier. Lavoisier, c'était un catholique. C'était un catholique avec une culture catholique, avec une vision très euh, structurée, mais que structurée. C'est-à-dire que le reste qui remplit la structure, pour lui, ça n'avait pas d'importance. Alors que Priestley avait cette vision plus humaniste et naturaliste. C'est-à-dire que la, euh, Priestley parlait toujours de la bonté de l'air, de la bonté divine de l'air. Il parlait de ça. Il, il parlait du fait que l'air a toujours la possibilité d'harmoniser un chaos, en gros. Hein? Et, et ça, c'était cette vision cohérente. Et il aurait fallu que continuer les recherches en s'appuyant aussi bien sur les travaux de Priestley que de Lavoisier. Lavoisier, avec la structure, était utile. Mais il fallait que dans cette structure il y ait de la vie. Et malheureusement, on s'est arrêté que à la structure. On a enlevé la vie. Et là, ça ne tient plus la route. Donc, si on refait une synthèse de ce, que, de ce qui s'est passé après la Révolution française, pour plein de raisons, donc là, je ne peux, je sais pas pourquoi on a voulu conserver que la, la vision de Lavoisier et qu'on a. Totalement occulté les travaux de Priestley. Et euh, depuis, on s'est arrêté à ce que je disais tout à l'heure tout ce qu'on voit existe, et tout ce qu'on ne voit pas, c'est pas possible, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est ça notre problème de société. C'est à partir de là. Et euh, quand, euh, après, avec euh, les grands scientifiques du XXe, on découvre, avec la physique quantique entre autres, on sait que la. La réalité euh, concrète, c'est trois fois rien par rapport à une réalité non visible qui est à l'origine de cette euh, réalité visible. Et c'est toute cette énergie qui a été occultée dès le départ avec une composition de l'air réduite à, euh, en plus, ce pas que réduite, c'était aussi euh, segmentée. Hein, on a considéré qu'il y avait 78% de l'air qu'on respire qui sert à rien, baptisé azoé, azote, absence de vie, bizarre quand même. Et puis on, on a inventé cette histoire d'oxygène, oxygène concernant les 20% restants en, en séparant les deux, l'azote et l'oxygène, par des gaz rares, dont le CO2 qui n'est autre que un des gaz rares avec. Euh, aux environs de 0,035 à 0,40%. Donc dans, le, dans les 20% d'oxygène, il s'avère qu'il n'y a pas d'oxygène, c'est un mélange gazeux, vapeur d'eau, dont une partie est de l'oxygène. Mais il n'y a pas d'oxygène libre, hein, on appelle le dit oxygène. En fait, c'est de la vapeur d'eau. Et euh, Louis-Claude Vincent nous dit même qu'on n'a jamais trouvé de traces d'oxygène dans l'univers. Il est bien évident que l'oxygène n'a jamais été un gaz de vie, c'est un gaz qui oxyde. Pourquoi on met de l'eau oxygénée sur une plaie Par contre, oxygène plus hydrogène, on génère de, de l'élément vivant qui s'équilibre. D'abord, hydrogène, c'est intéressant, on nous parle, on nous parle de l'hydrogène comme un carburant extraordinaire et tout, mais ça veut dire quoi hydrogène Hydrogène, ça veut dire un gaz qui fabrique de l'eau, qui génère de l'eau. Voilà. D'où vient l'eau C'est marrant. Si vous prenez de l'oxygène plus de l'hydrogène sous forme gazeuse, vous attendez, vous n'aurez que deux gaz, vous n'aurez pas d'eau. Qu'est-ce qui manque Un arc électrique. Donc, une énergie électrique, c'est quoi l'électricité On en revient au point de départ. C'est une énergie dans l'air, lumineux, où il y a des différences de potentiel. Et cet arc électrique va être à l'origine de la fusion de ces deux gaz qui va générer une molécule de vapeur d'eau. Et donc tout ça, à ce moment-là, on, on ne le savait pas. Et donc Lavoisier, il a synthétisé euh, la composition de l'air en enlevant en l'occurrence les photons, donc les particules qui sont à l'origine de l'apparition la, de, de la matière, c'est quand même pas mal, et puis l'énergie électrique, c'est-à-dire l'énergie qui permet à la... Au photon de se déplacer quelque part. Hein et ça serait quand même intéressant que les scientifiques se décloisonnent et qu'il y, qu y ait une forme de, de communion entre les différentes recherches, les différents chercheurs, pour qu'on mette enfin à profit cette connaissance qui est, à notre, qui est au niveau de tout le monde. Hein, Ce n'est pas la peine de faire euh, des, des, des études euh, qui parfois sont plus de la désinformation qu'autre chose. Non, on constate et on cherche à expliquer un constat. Voilà. Le problème d'une centrale nucléaire, c'est que dans la mesure où les ondes radio sont à l'origine d'une perturbation du climat, Genre échauffement, mais chaos. Les ondes électromagnétiques, radioactives artificielles, sont aussi des ondes radio, d'accord Il est bien évident qu'il y a sur Terre, il y a une pollution radioactive résiduelle qui augmente, surtout après Fukushima, et que ça fait partie des problèmes de, de chaos climatique, du chaos climatique. À aucun moment, une centrale nucléaire peut être considérée comme une centrale propre, entre guillemets, au niveau climat, loin de là. La première centrale qu a, que, qui a été arrêtée, c'est en Bretagne, à Brennellis. Cette centrale n'est toujours pas démantelée, ça va faire plus de 30 ans. Hein On ne sait pas le faire. Donc faut arrêter ces, ces fantasmes de, de nous sortir de, de, des impasses énergétiques avec le nucléaire, ça c'est une hérésie. Hein en tout cas, avec nos connaissances actuelles. On pourrait bien sûr, sûrement, retraiter des, des déchets comme euh, on était censé essayer de le faire à, à une certaine époque avec Superphénix, sauf que ça n'a pas marché par ignorance là aussi, parce qu'en France c'est le pays, il faut savoir quand même, c'est très important aussi bien dans le domaine médical que dans le domaine de la recherche fondamentale. On a des très grands chercheurs qui ont fui la France, sont partis à l'étranger, parce qu'en France ça devient suspect. Dès qu'on sort d'un cadre établi, figé, euh, conventionnel. Or, il faut savoir que les transmutations biologiques, qui ont été découvertes par euh, Louis Kervran, en partie, ce pas le seul bien sûr, et qui ont été euh, à l'origine de la compréhension d'éléments qui apparaissent, alors qu'ils sortent quelque part d'un. Du, un, un, un complexe qui apparaît, mais qui n'existe pas en amont. Donc, une transmutation biologique c'est ça ces différents éléments X qui se transforment en un élément y d'accord C'est ça la base des transmutations biologiques. Or il faut savoir que après l'accident de Tchernobyl, les scientifiques ukrainiens sont venus chercher en France les travaux de Louis Carvra pour pouvoir justement neutraliser des zones radioactives au niveau des sols pour ce qu'on appelle inverser euh, s'appelle des champs de torsion pour que à nouveau, la vie puisse se s'animer sur ces sols-là. Hein, sont venus chercher les travaux. Or, en France, on ne veut toujours pas entendre parler des transmutations biologiques. C'est pas dans le cadre établi de la, euh, de, de notre vision du monde physico-chimique basique. Et donc voilà, et on continue à tourner en rond. On n'est pas foutu de, de gérer un problème de pollution radioactive par ignorance. je ne pense pas qu'il y ait une volonté de destruction de la biodiversité. Si on détruit la biodiversité, là, on est vraiment avec une grande ignorance de, euh, de notre part par rapport aux actions menées. Par contre, ce qui est très important, et ça, j'insiste là-dessus, c'est que la nature a un potentiel extraordinaire de résurrection. J'entends par là que c'est pas parce qu'on ne voit plus quelque chose que c'est disparu définitivement. Ça peut changer de fréquence et réapparaître dans la mesure où le milieu retrouve une harmonie et à ce moment-là, l'élément disparu réapparaît. Il faut bien penser ça. Et ça, c'est extraordinaire de le mettre dans notre, dans notre mental d'humain pour euh, mettre une petite note quelque part d'optimisme et de, de vision d'un monde qui n'est pas mort il est simplement absent dans la partie visible parce que ce visible-là qui est du dérisoire quelque part ne permet plus à ce monde vivant de se maintenir dans ce visible d'accord? et pour moi c'est hyper important de, de conscientiser ça et que ce message soit inscrit dans le mental de l'humain. le mental de l'humain fait partie des ondes électromagnétiques qui peuvent influencer le climat. c'est très important. Et c'est reconnu, ça ne pose aucun problème. Une onde électromagnétique du cerveau d'humain est tellement rapide dans sa transmission que quand elle est émise, elle, elle n'est pas, pas soumise au temps et à l'espace. C'est instantané. Et ça n'a pas de limite dans l'espace. Et donc, il y a un potentiel extraordinaire chez l'humain, aussi bien de détruire que de réparer ou de reconstruire. Et en l'occurrence, si on arrête de détruire, ce n'est pas plus mal. Mais on peut aussi reconstruire sans problème. Ce n'est pas un problème. Peut-être que l'ignorance reste encore sur des outils de réparation qui ne sont pas à la hauteur de la nature dans laquelle on se trouve.